Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo comme vous pouvez le voir pas sur du Naruto. Et oui, c'est du One Piece Pirate Warriors 2. Donc vous allez vous demander pourquoi je suis sur du One Piece alors qu'à la base nous faisons du Naruto. Tout simplement parce que voilà, j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on voulait faire avec Artigo. Donc là il est pas avec moi tout simplement parce qu'il n'a pas le jeu. Mais je voulais faire ça sur un autre jeu pour vous en parler. Bon, je vais tout de suite lancer une partie, je vais vous en parler pendant qu'on va jouer. Donc je vais sûrement faire donc la partie en ligne directement. Je dois vous avouer que c'est la toute première fois que je fais une partie en ligne. J'ai terminé le jeu il y a 2 jours et puis là je me suis dit pourquoi pas faire une partie en ligne. Donc dans la libre en ligne et défi, tu peux choisir n'importe quel personnage. Si récupérer les pièces, personnage allié et ennemi apparaîtront toujours dans l'épisode comme d'habitude. Bien, créer une partie, ouais, je vais faire chercher une session directement hein. On va pas se casser la tête. Chapitre 3, épisode 4, ouais. Les pirates les plus forts, ouais, on va prendre celle-là, hein, on va pas se casser la tête. Voilà, communication. Alors, je vais tout simplement prendre mon personnage favori. Donc, qui est niveau 28. Ace. Ace au point ardent. Port Guide Ace. Bon, voilà, je pense qu'on va peut-être attendre quelqu'un d'autre, non? Je sais pas jusqu'à combien ça se joue. J'ai jamais vraiment vérifié. Bon, alors, pendant que on patiente en attendant que la partie se lance. Donc, je voulais vous dire, avec Artigo, on adore faire du Naruto. La chaîne reste principalement du Naruto. Mais on voulait, pourquoi pas, toujours vous proposer, peut-être une fois par semaine ou un truc comme ça, comme vous voulez, des vidéos sur un autre jeu manga. Voilà. Ça restera, notre chaîne restera 90% du Naruto, hein, c'est ce qu'on préfère faire, c'est le jeu auquel on joue tout le temps. Mais de temps en temps, pourquoi pas vous proposer une vidéo sur un autre jeu. Moi par exemple, là quand je vais vous poster la vidéo, normalement dans une semaine, je vais peut-être acheter donc soit le jeu Bleach, Soul Resurrection, ou le jeu Blaze Blue. En plus, il y a le manga qui vient de sortir, que j'ai regardé, qui m'a beaucoup plu. Enfin, il n'est pas fini pour l'instant, hein, mais il m'a beaucoup plu. C'est quand elle veut qu'elle se lance la partie. Je sais pas quand est-ce qu'elle va se lancer. Si ça se lance pas, je vais aller sur une partie solo, hein, ça ira plus vite. Donc voilà, soit Blaze Blue. Donc si c'est du Bleach, je pense vous proposer un let's play complet, si vous avez envie. Ou juste une vidéo découverte, hein, ou un truc comme ça. Et si j'ai Blaze Blue, je pense que ce sera surtout une vidéo découverte plus qu'un let's play. Ou alors juste vous proposer des gameplays de temps en temps en ligne. Voilà, donc j'hésite encore, je vais voir Blaze Blue ou Bleach. En fonction de mon argent et en fonction de l'envie. Je crois que Blaze Blue coûte moins cher que Bleach, mais je sais pas, je vais voir. Bon, c'est quand il veut qu'il lance sa partie, lui. Je vais essayer de tenter de trouver une nouvelle partie. Si ça marche pas, je vais aller en solo parce que bon... Une partie, ça prend quand même un peu de temps, donc voilà. Communication, voilà, on va prendre, hop, direct, Cyrus 777. Voilà, communication, donc je vais prendre mon Ace, comme j'ai dit. Allez, est-ce que tu vas lancer la partie? Rang de recherche, 7776, ok. Synchronisation, voilà, ça va se lancer. Ah, chargement en cours, la terrible bataille de Marineford. Le gouvernement mondial entendit que. J'ai récupéré les dials, oui. Donc ceux qui ont fait le solo, je pense, connaîtront déjà l'histoire. Voilà, donc il passe les textes, hein. Bon, comme ça au moins ça ne vous spoil pas, vous ne verrez que l'action. D'accord, donc là oui, c'est un truc à 3. Préparation des joueurs de la session terminée, préparation de la bataille, est-ce que j'ai tout? Ouais. Bon, je dois vous avouer que je m'y connais pas trop, hein, donc si j'ai mal placé mes pièces, je m'en excuse. Hein. je ne suis pas un grand, très grand joueur de One Piece. J'y joue de temps en temps, là déjà j'ai fini le solo du 2, le 1 je ne crois pas que j'avais fini le mode solo, mais j'avais fait tous les épisodes avec mon petit frère. Bon, alors, donc on va commencer tout de suite. Donc lui il a pris Phoenix, d'accord. Ah lui il commence fort direct,
On va faire un petit combo. Oh bah je me suis fait éjecter direct, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. On va tuer le commandant de la marine, il était bientôt mort. Hop là, quelques petites grenades. Alors donc, quelle est ma mission actuelle? Bon bah pour l'instant je vais juste essayer de récupérer le niveau le temps que j'ai ma mission. Ah, Ace vraiment classe, attendez, attendez, il a pas son chapeau là, c'est pas bon. Voilà, c'est plus classe déjà. Là ça donne une classe au personnage, en plus j'adore quand il court, il tire son chapeau et tout. Ah, Phoenix, j'aime beaucoup ce personnage, mais le problème que j'ai c'est que il a des combos très puissants et très classe, mais ils sont imprécis. C'est très dur de viser l'ennemi avec ses combos, enfin moi c'est l'impression que j'ai. Mais sinon c'est un très bon personnage, moi mon personnage préféré ça reste quand même Ace, Mihawk et Zoro. Donc je trouve que ce sont les personnages les plus classes. Un chef est apparu. Attendez, je finis avec le commandant et je m'occupe du chef. Tac, viens par là mon petit chef. Voilà. Fonce et prends le territoire place centre-sud. C'est ce que je suis déjà en train de faire. Il y a Moria qui vient d'arriver dans la bataille. Ah là là. Là il n'y a plus trop d'ennemis. Enfin il commence à y avoir beaucoup moins d'ennemis sur la place. Comme on a bientôt pris Ah voilà, donc on a pris le territoire. J'attends ma prochaine mission. Le commandant de la marine cesse de se renforcer. D'accord, alors là il y a un coffre. Hop, de la bière. PS Max. Un peu d'argent. Hop, toi t'es achevé. Toi aussi. Les portes sont ouvertes pour l'avancée du commandant de la marine. Bah, allez, c'est parti. On va changer de zone. Donc, ah, il faut terrasser Moria. Donc, c'est de ce côté qu'il faut aller. Donc, Cyrus 777, il est déjà, j'ai l'impression. Il est déjà en train de faire son ménage, lui. Je vais l'accompagner. Hein. C'est parti. Genki-dama ! Non, je déconne. C'est l'impression que j'ai quand je le vois la lancer. Bon, franchement, c'est une attaque vraiment classe. Je dois vous avouer que je n'ai jamais regardé le manga One Piece en entier. Je me suis arrêté à l'épisode 100, à l'arrivée de Ace. Donc je connais globalement l'histoire, mais j'ai jamais regardé le manga en entier. Mais bon, le jeu, j'avais joué au 1 et j'avais vraiment kiffé, donc je me suis dit pourquoi pas acheter le 2. Je vais essayer de balayer la grande alliance des pirates. Ok. Voilà. Donc on récupère la bière pour toujours avoir les PS Max. Je vois qu'il s'occupait de Moria. Il va vite. Là je suis en train de commenter, donc je vous avoue que je suis pas forcément autant concentré que quand j'ai fait le solo. Y a plus personne. Bon bah on change de zone, c'est parti. Lui il n'attend pas. Bon bah on va vider le terrain vite fait aussi. Hop. Et voilà. Empereur des flammes. Bouffez-moi ça. 38 ennemis d'affilée. Ah, ces combos sont vraiment classe à Ace, faut avouer. Yeah. Bon, mince, raté. Ah, j'arrive pas à foncer dessus. Voilà. Barbe Blanche aussi, un personnage extrêmement puissant. En général, avec lui, on fait beaucoup de... On se fait beaucoup d'ennemis. Alors, donc là, il y a le chef qui est apparu. Ah, on doit battre le commandant de la marine. Ouais bon bah ça va être un peu difficile sachant que la porte est fermée. Bon. Kizaru. Il s'approche. Ce n'est pas bon tout ça, ce n'est pas bon. Le nombre des ennemis a baissé à cause de l'activité des alliés. Oui normal. On va se faire le Kuma en passant. Pyro Punch. Ah Baggy, toujours aussi énorme dans ce jeu. On va passer en mode truc de style, là. Combat de style, je me souviens jamais du nom. Tiens, quelques petites bombes. Ah, une petite cinématique. C'est l'arrivée de Barbe Noire, non? Ah non. Bon, bah il a passé la vidéo, donc... Ace vient d'arriver. Bon, bah j'ai mon double qui est arrivé. Yeah. Allez, vas-y, crève, Kuma. J'ai pas que ça à faire. On passe en mode Luffy. Bam. Chewing gum fossile. J'ai récupéré une pièce. Enfin, son combo en action de style est vraiment puissant à Luffy. Chewing gum tornade.
Voilà, allez. J'ai déjà 302 ennemis, ça fait peu. Il faut battre le commandant, donc on va y aller tout de suite. On va pas perdre de temps. Bah, le commandant de la marine, je crois que c'est Kizaru, donc il faut battre. Voilà, il est là. Ne bouge pas, Kizaru, je me place et je fais le ménage. Bah, Kizaru, tu t'es déplacé. Heureusement que je t'avais dit de ne pas te déplacer. Et voilà, je sais. Oh, 111 et demi. Je viens de battre mon record, je crois. Mon record, c'était 93. Pyro Punch. Bam. Kizaru qui ne perd jamais de vie. Je ne vois plus rien. Oh. Ouch. Ah, bouffe mon combo. Bouffe mes grenades. Arrête de t'enfuir. Ah, mais on voit quand même les commandants de la marine. Ils font quoi? Ils font 10 têtes de plus qu'une personne normale, quoi. C'est énorme. Regardez, j'arrive à peine à ses hanches. C'est énorme. Puis Kizaru, là, il perd pas de vie. Allez, j'ai pas l'habitude de le faire à ce niveau de difficulté. C'est pour ça, moi, je le fais pas en difficile, d'habitude. Allez, Pyro Punch. Bah, j'ai mal visé. Bon, on va passer en action de style. Hop là, on fera un peu plus de dégâts. Allez, bouge pas, Kizaru, tu as peur. Viens. Je vais t'apprendre c'est quoi. Un vrai pirate. Tu vois, bouffe ma grenade. Attendez, je suis sur Kizaru, là. Commencez pas à me changer et à me faire passer sur gare. Tu vois, il y a le commandant des pirates qui vient m'aider. Même si je pense qu'il va pas faire long feu. Allez. Ah ouais, si je change pas de combo aussi. Oh. Oh. Oh, j'ai perdu pas mal de vie, là. Oh. Oh, Kizaru. Oh, je n'ai pas l'habitude de prendre autant de dégâts, je dois vous avouer. Ouh, c'est qui m'a fait mal. Bon, bah, on va l'achever. Ça va être rapide. Voilà, Kizaru bat en retraite. Alors maintenant, si je pouvais avoir quelque chose pour me redonner de la vie, ce serait sympa. Non, j'ai déjà mes PS au max. Alors, de l'argent. D'habitude, il y a toujours quelque chose pour récupérer de la vie. Et là, quand on en a besoin, bah, il n'y en a pas. De l'argent et que de l'argent. Nous sommes des pirates après tout. Alors, en plus, je suis que niveau 30, donc c'est plutôt chaud. Ah, il enchaîne, lui. Hein. Il enchaîne. Commandant de la marine. Viens là, moi, je vais te tuer, moi, tu vois. Je contrôle le feu. Je suis porte-gaz, dit Ace. Personne ne peut me faire face. Aïe. Oh, je perds beaucoup de vie, moi, sur ce combat. Ah, c'est qu'un commandant, quoi. Bon, je vais voir. Ah, je crois que ça devrait. Voilà. Ça me requinque un peu. Le garpe bat en retraite. Donc, on va aller dans le. Dans le niveau et demi. C'est parti. Hop là. Commandant de la marine, désolé, pas le temps de t'affronter. Marco a vaincu 20 000 personnes. Putain, les mecs, je suis encore bloqué à 400, quoi. Oh là là. Allez. Prenez ça dans votre figure. Je reste poli, hein. Oh, un deuxième. Bon, c'est parti, un deuxième. Wouhou, j'adore cette technique. Ah, contre ce genre d'ennemi, il faut pas hésiter à utiliser ses attaques spéciales, hein. What the f... Alors, il doit y avoir Marco qui est arrivé dans le coin parce que là, il a perdu de la vie, mais c'est énorme. On passe en action de style et on va l'achever. Allez, bouge pas. Non, Akainu, bouge pas. Mon feu contre ta lave. Oh, shit. Oh, la vie que j'ai perdue. C'est énorme. C'est énorme. Et voilà, on échange de personnages. Chewing-gum, voici. Et voilà. Je crois que nous avons fini le niveau. Et oui.
Bon bah, je fais D. Oh le vieux score. Ah là là. Excusez-moi pour ce score tout pourri. Ah, la petite cinématique. Les cinématiques dans ce jeu sont vraiment belles. Hein. Je vais éviter de parler parce que je vous laisse regarder. Et voilà, c'est la fin donc de ce niveau. Il y avait besoin de soins tout de suite. Et voilà l'arrivée de l'eau. Je sais plus. Ouais. Je le connais pas très bien lui. Je dois vous avouer que j'ai pas regardé One Piece. Hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Je sais juste que c'est aussi un médecin, mais. Ah, un petit médecin. Ça je sais pas, c'est ce que j'ai cru voir hein, dans le jeu. Excusez-moi pour mon. Je vais. Dès que j'ai le temps, je pense que je le regarderai le manga, mais là pour l'instant j'ai pas tellement de temps de le regarder. J'ai plein d'autres mangas à voir. Voilà, to be continued. Nouvelle poche ajoutée. Nouvelle pièce débloquée. Bon, il y en a que j'avais déjà, donc ça m'a monté de niveau. Ça les a montés de niveau. Acquis. Peux-tu t'enregistrer dans le classement des pirates? Oui, pourquoi pas, après tout. Un nouvel élément est disponible dans la galerie. Un nouvel élément a été ajouté à la boutique Berry. Sauvegarde en cours. J'adore ce fond d'écran pendant le chargement. Il est vraiment beau. Voilà. Donc, j'espère que cette partie de One Piece vous aura plu. Donc, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous plaît qu'on, si on commence à faire de temps en temps, hein, je dis bien de temps en temps, hein, 90% ça reste du Naruto, mais est-ce que de temps en temps ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos sur d'autres jeux en restant bien sûr dans les jeux manga hein. Enfin, on peut peut-être dériver de temps en temps, je sais pas, pour un GTA Online, mais il y a très 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 peu de chance. Hein, on veut surtout rester sur du manga. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le nous. Si ça ne vous intéresse vraiment pas, on restera que sur du Naruto. Oh. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc je vous demande, de, donc, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo.
Bye tout le monde.